Fala me rabatika rehetra rehetra indray an. Araka ny nazavaiko omaly dia ho ataoko amin'ny teny frantsay ity video andro ity an, ho fanazavana ny zavatra nitranga tany Congo. Comme je l'ai expliqué hier, je reprends la vidéo que j'ai faite concernant la tuerie qui s'est passée à Congo pour expliquer les dispositions légales de ce qui s'est passé. Et puisque nous pensons porter l'affaire vraiment très très loin, car ce qui s'est passé n'est rien de moins qu'un crime contre l'humanité. Actuellement, nous avons recensé 37 morts et encore une quarantaine de blessés graves. Plusieurs familles en deuil et plusieurs enfants orphelins. Donc, voilà, je résume la situation pour les personnes qui n'ont pas compris le malgache et qui ne savent pas de quoi il retourne. Il y a 3-4 jours exactement, la population d'Ikung a été le théâtre, on va dire, d'une énorme tuerie perpétrée par la gendarmerie qui a tiré sur une foule non armée. Nous avons des photos, nous avons des vidéos, nous avons des photos de personnes blessées, tuées, et toutes ces photos montrent que ces personnes ont été tirées par derrière leur dos. La gendarmerie, l'État et le gouvernement invoquent le fait de légitime défense, que la gendarmerie s'est défendue contre une foule en colère qui a réclamé 4 personnes détenues au sein de la gendarmerie, qu'ils ont voulu faire une vindicte populaire, qu'ils ont attaqué la gendarmerie, qu'ils étaient armés de couteaux, de haches, de lances, de gourdes, de coupe-coupe. Mais nous avons une vidéo. Nous avons une vidéo qui montre les personnes avant d'arriver à la gendarmerie. Ils n'étaient pas armés. Ils n'étaient pas menaçants. Et ils étaient accompagnés d'un notable qui est le roi de Fort Carnot, un Nampanzak, comme nous on l'appelle, c'est un roi traditionnel qui est encore un notable, un grand notable local. Et cette personne a parlementé pour réclamer de voir les 4 personnes détenues à la gendarmerie. Ils ont voulu voir qui étaient les personnes qui avaient tué une femme, mère d'un enfant. Comment on s'appelle? Un enfant Zazassour. Comment on appelle les Zazassour déjà en français? Et donc, il n'était pas question d'attaque de la caserne. Il n'était pas question de personnes d'une foule armée qui était menaçant. C'était juste une foule qui a réclamé. Albinos, voilà, merci beaucoup pour le mot. Donc, la mère d'un enfant albinos que des personnes malveillantes ont voulu kidnappée, a riposté, elle a essayé d'empêcher que son enfant soit enlevé et du coup, elle a été tuée par les kidnappeurs, par les malfaiteurs. La population a essayé de retrouver ces personnes, ils ont retrouvé 4 personnes et la gendarmerie les a pris, les a retenus en garde à vue et c'est ces 4 personnes-là qui ont été réclamées par la population qui voulait savoir qui ils étaient. Donc voilà l'histoire, le résumé de la genèse des faits. Mais ce qui s'est passé après que Lampanzak, le roi du village, a parlementé pour demander, pour réclamer de voir ces 4 personnes, la gendarmerie a bien sûr refusé. La foule s'est
La foule est partie et l'Empanzac, il est rentré chez lui dans son tchanbe, comme on l'appelle. Et c'est là que 6 personnes de la gendarmerie ont tiré à bout portant en rafale sur une foule pacifique. On voit sur les photos des personnes tirées, tuées avec des balles dans la tête, dans le ventre, dans les bas du dos. Une femme enceinte tirée au bas de son dos. Actuellement, elle est encore entre la vie et la mort. Elle a perdu son bébé. Comment une femme enceinte aurait pu être armée de coupe-coupe, de gourd ou de machette pour aller venir à la gendarmerie? Là déjà, ce n'est pas vrai. Donc, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que la légitime défense policière. Déjà, en matière de légitime défense, il y a des conditions. Et il faut prouver, on ne peut pas seulement se dire, ah non, mais en fait, nous, on était dans une caserne, nous, on a été menacés, nous, on avait des munitions, on avait de l'artillerie à protéger, donc on a tiré sur la foule. Hein? Il faut, en matière de légitime défense, il faut que les faits soient réels. Il faut que le danger soit vraiment imminent, que l'attaque a été vraiment, l'agression a vraiment été réelle, mais pas supposée ou bien éventuelle. Après, il faut que les conditions relatives à l'agression, pour que la légitime défense soit invoquée, il faut que l'agression soit contre soi-même ou contre autrui. Donc, l'agression ici, c'était contre les 4 personnes. Est-ce que vraiment c'était contre les 4 personnes? Et donc la gendarmerie voulait protéger les 4, soi-disant les 4 accusés d'enlèvement contre 37 personnes de la population. Il faut également que l'agression invoquée soit injuste, actuelle et réelle, et que l'attaque soit proportionnelle à la défense. Une foule qui attaque avec des bâtons, parce qu'ils étaient armés de bâtons, on va dire, dans la vidéo, on voit une foule avec des bâtons. Tein, tsurakazu. Ils étaient avec des tsurakazu, mais pas avec des coupe-coupe. Je vais vous montrer la vidéo tout à l'heure. Il faut donc que l'attaque soit proportionnelle à la défense. Il faut que la défense soit nécessaire et mesurée et simultanée à l'attaque. Mais pas que la population qui a déjà tourné le dos et a commencé à rentrer chez lui. Et c'est là que la gendarmerie a donné l'ordre de tirer sur la foule. Le fait de tirer sur cette population de cette manière ne constitue plus une légitime défense, ça constitue une tuerie, un crime contre l'humanité. Et quand c'est la gendarmerie qui devait assurer la vie de la population, qui devait protéger les biens et les personnes qui tirent sur la population de cette manière, cela s'appelle un abus. Et cela s'appelle un crime contre l'humanité, en sachant que cette population malgache actuelle ne fait plus confiance à l'administration, à l'État, à la gendarmerie, à la police, à la justice. Pourquoi? À cause de l'impunité en haut lieu. Plus personne en haut lieu n'est puni au sein de la justice. Toutes les personnes qui sont haut placées ne sont pas inquiétés. Leurs enquêtes s'arrêtent au niveau du pôle anticorruption ou même il n'y a aucune enquête et on attend la Haute Cour de justice qui n'est jamais effective, qui ne travaille pas, qui ne constitue aucun dossier, qui ne juge personne, qui n'est jamais saisie
Depuis 4 ans ou 5 ans qu'elle est installée actuellement, la Haute Cour de justice n'a jamais été saisie, malgré des piles de dossiers qui lui sont transmis. Toute cette impunité a rompu la confiance des justiciables avec la justice, avec la politique, avec les policiers, avec la gendarmerie, avec l'État. Et c'est pour ça que ces gens-là ont voulu réclamer de voir les personnes qui ont tué la mère du petit albinos. Quand ils sont partis pacifiquement, la gendarmerie n'avait pas à tirer sur la foule. C'est devenu un crime, c'est devenu une tuerie, c'est un assassinat pur et simple. Et pour nous, au sein de l'opposition, nous pensons que c'était un signal pour la population que, donc voilà, l'État n'hésitera plus à tirer sur la foule dans n'importe quelle circonstance. Et pour nous, c'est dangereux parce que nous sommes à la veille d'élections que nous dénonçons déjà pour cause de manque de confiance à l'administration électorale. Et maintenant, si la population, si les électeurs, ils vont descendre dans les rues pour réclamer, pour dénoncer encore et encore et encore les fraudes que nous savons tous que cette administration électorale va perpétrer pour faire gagner encore le régime en place, nous savons déjà que ce pouvoir actuel, que cette administration, que ces forces de l'ordre ne vont pas hésiter à tirer sur la foule. Et ça, on ne l'accepte pas. Là maintenant, nous réclamons la démission de tous les hauts fonctionnaires de la gendarmerie, même s'il le sait qu'il n'était pas là, il est le premier responsable. Et donc, il doit démissionner. Le deuxième, le premier ministre, et toutes les autres personnes qui ont tiré sur la foule, on veut savoir qui ils sont. Là maintenant, nous aussi, on veut savoir qui ils sont et qu'ils soient emprisonnés immédiatement, comme les personnes qui ont sorti les photos de valises de Andrew Zwillen. Ces personnes-là ont été emprisonnées immédiatement, soi-disant parce qu'ils ont voulu à la peau, à la vie du président, en sortant les photos de sa valise. Et là, il n'est plus question de tentative de meurtre contre la population, il est vraiment question de meurtre contre une foule, contre toute une population entière. Actuellement, 37 morts et 40 blessés. Et encore les 37, on ne sait pas si on a encore d'autres. Donc voilà, je recommence. Je m'adresse ici, pas seulement aux Malgaches qui ne parlent pas le malgache, qui n'ont pas compris le malgache parce qu'ils sont à l'étranger et qui sont dans la diaspora, mais je m'adresse également aux Nations Unies, au bureau du Haut Commissariat des droits de l'homme. Je m'adresse à tous les organismes qui luttent contre les crimes contre l'humanité. Je m'adresse à la Cour pénale internationale. Cette vidéo sera la première qui parle de cette tuerie qui s'est passé à Ikung, Madagascar, et nous allons vous constituer le dossier avec les photos, avec les vidéos, avec les témoignages et tout ce que vous voulez. Ce sera une enquête civile, une enquête citoyenne, parce que nous savons déjà que l'État ne va rien faire, que la justice sera tronquée, que la justice ne va rien faire, ne va pas prendre ses responsabilités et que ces personnes seront mortes en vain. Même actuellement, le président de la République n'a même pas décrété une journée de deuil pour ces gens-là. Et donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on attende de la justice malgache? Ils ne savent rien que d'emprisonner les opposants, les soi-disant personnes qui auraient attenté à la vie du président. J'invoque encore ce procès Apollo 21
qui a condamné 10 ans de travaux forcés et 20 ans de travaux forcés, Paul Raffanoiren et Philippe François et Anna Marie et d'autres encore. Ces trois personnes qui sont incarcérées injustement actuellement, soi-disant pour des chimères d'attentats à la vie du président, pour quelque chose qui n'a absolument aucune preuve. Il y a eu un aveu d'avoir écrit une lettre, mais est-ce que le fait d'avoir écrit une lettre constitue un commencement d'exécution d'un attentat présidentiel? Est-ce le fait d'être en possession d'une grande somme d'argent constitue un commencement d'exécution d'un attentat présidentiel? Est-ce le fait de se trouver en possession d'un, comment ça s'appelle, d'un fusil de chasse constitue une preuve d'attentat à la vie du président? Non. Non et non. Donc, nous réclamons que toutes les personnes qui ont tiré sur la foule à Igung soient arrêtées et qu'on arrête maintenant aussi de maintenir en prison toutes les personnes qui n'ont pas ôté la vie de qui que ce soit. Que ce soit Anna Marie, Philippe François, Paul Raffanoiren, Boula Radzona et les autres, Rolly Mercia, Péride, Christelle Vieira, Béart Marcellin, toutes ces personnes-là qui ont été emprisonnées injustement, nous réclamons qu'ils soient libérés immédiatement. Vous n'avez plus aucune raison de maintenir ces gens-là en prison au vu de ce qui s'est passé à Ikung. Là maintenant, les places doivent se libérer dans les prisons pour mettre les personnes qui ont tué des trentaines de personnes à Ikung. Il faut libérer de la place pour mettre ces gens-là. Pour ce qui est des crimes contre l'humanité, ben je vous explique la procédure. Il faut que la justice à Madagascar soit épuisée, c'est-à-dire il faut que toutes les démarches pour obtenir une justice à Madagascar soient épuisées, en sachant très bien que même pour l'affaire de Farafangan avec la tuerie des détenus sur Farafangan, cela fait 2 ans, ou même 3 ans, je crois, aucune procédure n'a été engagée, personne n'a été arrêté, on ne sait pas où est le dossier, quelle est la suite. Et là maintenant, on sait aussi que pour cette affaire Tikung, il n'y aura aucune suite au niveau de la justice. Mais on va quand même entamer les démarches jusqu'à ce que on puisse saisir la cour pénale. Et en attendant, on va déjà déposer les dossiers, tous les dossiers qu'on a au niveau des Nations Unies et de la cour, de la haute cour, du Haut Commissariat des droits de l'homme. Donc voilà ce que je voulais dire et en tout cas, je réitère, nous réitérons nos condoléances pour toutes les familles des personnes endeuillées à Ikung, les familles de nos amis qui sont à Ikung. Nous encourageons encore les blessés pour qu'ils puissent se soigner, retrouver leur santé. Et en attendant, nous réclamons que le SEC démissionne, que le Premier ministre démissionne et que toutes les personnes qui ont tiré sur la foule soient arrêtées immédiatement, sans aucune attente, qu'on n'attende pas qu'ils soient affectés ou mutés ou transférés quelque part, parce que ces gens-là, ils ont tué quelqu'un, ils ont fait couler du sang, ils ont du sang plein les mains. Et on ne peut pas accepter que ces gens-là soient encore appelés forces de l'ordre. Ils doivent être émis de leur fonction. Donc voilà, je vous dis au revoir pour aujourd'hui et je reviendrai pour une prochaine vidéo concernant cette affaire. Et j'attends encore toutes les pièces, tous les témoignages des personnes. Et je vous remercie déjà pour ceux qui m'ont donné
qui m'ont fait parvenir leurs photos, leurs vidéos, leurs témoignages concernant cette affaire. Voilà. Donc, au revoir et merci à tout le monde qui a suivi cette vidéo et on se retrouve très bientôt.